Bonjour la team, c'est Normal Cochon, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo sur le jeu Island. Et dans cette vidéo, je vais vous parler d'hélices et de perles. Je vais tout vous montrer comment en obtenir facilement. Et après, vous attendez pas forcément à des choses de ouf, parce que j'ai pas de solution miracle. Mais vu que beaucoup de personnes me demandent en commentaire comment on obtient les propellers, ou enfin slash hélices, ou les perles, je vais tout vous montrer. Alors la première réponse très simple, c'est qu'on obtient ça en pêchant. Du coup, pour ça, il faudra absolument aller sur votre établi et crafter soit la canne à pêche en bois qui coûte 10 bois, ou soit la canne à pêche en fer qui coûte 50 bois d'érable et 40 de fer. Donc après, forcément, comme la canne à pêche en fer est plus difficile à crafter, c'est aussi celle qui vous donne la plus de chances d'avoir ces items-là. Mais vous pouvez y arriver avec la canne à pêche en bois. Ensuite, après, il faudra aller sur n'importe quelle île qui a une mare. Vous pouvez aller sur le hub comme je vais faire en ce moment-là. Mais vous pouvez aussi y aller sur l'île des slimes level 1, sur l'île des scorpions et aussi des mares. Et je sais plus sur l'île des bufflecorn, de mémoire, il n'y a rien du tout. Comme maintenant, elle est immense. Et sur l'île des wizards, il y a de l'eau, mais de mémoire, il n'y a pas de zone pour pêcher. Ensuite, vous pouvez aller soit ici, soit de l'autre côté, là où il y a le fleuriste. En tout cas, enfin, vous pouvez aller en fait dans n'importe quelle mare. Et du coup, ensuite, après, pour récupérer des perles ou des propellers, il suffit de pêcher. Alors, comme je le disais tout à l'heure, vous avez plus de chances de récupérer avec la canne à pêche en fer. Par contre, je sais qu'il y a quand même un certain niveau pour pouvoir la crafter. Par contre, c'est juste pour pouvoir la crafter, c'est-à-dire que même si vous êtes niveau 1, vous pouvez l'utiliser. Donc n'hésitez pas après à demander à un ami ou à l'acheter dans un shop, et comme ça, du coup, vous pourrez avoir la canne à pêche en fer et avoir plus de chances, du coup, de dropper les items intéressants. Alors après, pour ceux qui savent pas, il faut attendre que le poisson s'approche. Dès qu'il fait les petites bulles comme ça, vous refaites un clic et vous pêchez. Et puis en plus, là, vous voyez que j'ai eu de la chance, je viens d'obtenir une pêche, une perle. Petite précision aussi, du coup, vous avez aussi plus de chances d'avoir des items rares, donc typiquement le propeller, les plans, la perle et les anguilles. Plus votre level de pêche est à un niveau important. Donc voilà, vous voyez que je suis level 37 et du coup j'ai un bonus de plus 2,59 et celui-là augmente en fonction directement de mon level. Voilà les amis, bon bah j'ai fait le tour, maintenant j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne chance pour pêcher. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me mettre un petit pouce bleu. Allez, ciao ciao.